La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, la véritable histoire du petit chaperon rouge et de son chat Marcellet, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie d'Adèle Ferry de Pied Libre. Bonjour Adèle. Bonjour. C'est l'histoire du petit chaperon rouge revisité. C'est la vraie histoire du petit chaperon rouge. Déjà parce qu'il met en scène non pas une petite fille sage, mais la véritable identité de ce petit chaperon rouge, donc une petite fille assez insolente et assez intrépide, de son chat Marcel qui aime ne rien faire et le fait bien, et du loup parce qu'il n'y en a qu'un dans la forêt, puisque tous les autres loups ont déjà disparu depuis fort longtemps. Donc c'est une histoire très 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 drôle, vraiment avec beaucoup d'humour, dont toutes les répliques, dans le graphisme également, et puis dans ces interventions du narrateur tout au long de l'histoire. Donc un vrai, vrai, vrai moment de plaisir. Un moment de plaisir pour les enfants, quand même. Oh, mais pas que. Parce que même nous, en tant qu'adultes qui connaissons cette histoire depuis fort longtemps, revoyons un peu, cette vraie, vraie, vraie histoire. Qu'est-ce qui caractérise ce dessin ? En fait, il n'a pas beaucoup de couleurs. En fait, c'est vraiment un rouge et un blanc très, très présents. Et puis, beaucoup, beaucoup d'humour, en fait, qui complète tout cet humour qu'il y a déjà dans le texte. Merci beaucoup, Adèle. Vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge, vraiment ? Je ne suis pas sûre. Allez vérifier dans cet ouvrage que vous trouverez chez votre libraire préféré. Marc Page, c'est terminé pour l'instant, mais vous le savez, nous reviendrons vous conter d'autres histoires, celle du chaperon, peut-être de La Belle au bois dormant, qui sait ? À bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et Notre Temps Vivre Bien, Vivre Mieux vous ont présenté Marc Page.